Salut, jeune rose. Tu as l'air affamé. As-tu réfléchi à mon offre? On n'a pas faim à ce point. La réponse est non. Tu reviendras et je serai là à t'attendre. Sale type, je le déteste. Mesdames et messieurs, j'ai parcouru le pays à la recherche d'objets merveilleux et mystérieux que je vous propose aujourd'hui pour la modique somme de 5 pièces d'or. Regardez ça. Ceci est un véritable miroir magique. Quand vous vous regardez dedans, il vous rend magnifique. Je le prends. Très sage, mais n'oubliez pas, la magie n'opère que si vous l'utilisez dans l'obscurité la plus totale. Ah, et voici une véritable petite merveille. Cette petite boîte sans prétention est un véritable objet créé par les anciens, utilisé par les seigneurs de l'ancien royaume eux-mêmes. Tournez 3 fois la manivelle et un vœu vous sera alors accordé. La magie, ça n'existe pas. Quelqu'un a entendu ce qu'il a dit? Nous vivons une bien triste époque si les enfants sont trop blasés pour ne plus croire en la magie. La plupart des enfants de ton âge croient en tout. Écoutez, je sais que vous voyez mal, mais je vous assure que cette boîte à musique ne vaut rien. C'est ce que pense le marchand. Il ignore ce qu'il a en sa possession. Mais tu t'en doutes, n'est-ce pas? Une partie de toi veut croire en sa magie. Quoi? Vous pensez que c'est possible? Avec 5 pièces d'or, tu aurais ta réponse. Écoute-moi, Rose. À la fin de la semaine, toi et Moineau ne serez pas plus proches de votre rêve, ni de l'intérieur de ce beau château. Et si c'était vrai? Je sais qu'on peut trouver 5 pièces d'or, et peut-être qu'on pourra partir d'ici, finalement. Qu'est-ce qu'on a à perdre, petit Moineau? Allez, il y a bien quelqu'un dans le coin qui nous donnera de l'or contre un service. Hé, petit, venez par ici. Hé, monsieur, vous avez perdu quelque chose? Mes mandats d'arrêt. Les mandats se sont envolés dans cette direction. Étonnez vos amis et vos proches avec une image plus vraie que nature. J'adore Murgo. Il apporte de la magie dans nos vies. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre... C'est ça. Parfait. Prends la pause, mon jeune ami. Ce truc fonctionne. Mais ça vaut le coup. Juste pour voir à l'œuvre le soi-disant faiseur d'images magiques. Merveillable! Ce truc va me rendre plus célèbre que la vérole. Je n'ai plus qu'à attendre 3 mois pour que l'image se révélationne et pour pouvoir la montrer à tous. Oh, je sens déjà l'odeur de l'or. 3 mois qu'il dit. Hey, venez voir, Rex a chopé un chien et il va lui coller une rage. Ah, tu aimes ça, hein, sale cabot. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Hey, je m'amuse un peu, ça te dérange? Oh, il a tapé une fille. Ouais, et je vais bientôt en frapper une autre. Oh, arrête! Fous-moi la paix, pauvre malade! Ça, ça fait mal! Ah! Tu as vu ça? Ce fou m'a tapé en plein dans la tête! Il le méritait! Merci de ton aide, mais j'aurais pu m'en charger seule. C'est cool!
Oh, mon pauvre, tu as passé un sale quart d'heure. N'aie pas peur, je ne te ferai rien. Il te faut un gentil-maître pour s'occuper de toi. Oh, on ne peut pas te garder. On n'a pas assez à manger pour nous. Oh, désolé, on ne peut pas. Repose-toi bien. Allez, petit moineau, on va. Bien, on a notre premier mandat. Oui, un autre mandat. Alors, n'a pas passé. N'aperçu. Je lui dis de fermer son clapet. On en a trois. Plus que deux maintenant. Est-ce qu'on peut vous aider? Tirez sur les scarabées. Tuez-les! Et pendant que vous écrabouillez leur sale petite tête, essayez de ne pas abîmer ce qui m'appartient. Salut, gamin! Balthazar doit de l'argent à Nicky le Nicklé pour qu'il le protège. Et si tu laissais un peu les scarabées? Ah, merde! Tu sais ce que j'ai dû faire pour avoir ces scarabées? Je ne l'oublierai pas, gamin. Quel massacre! Waouh! Je ne savais pas que tu te battais si bien. Non, c'est faux. Et voici une autre. T'as raison, Betty. On s'en sort très bien. Bien. Il me faut deux. Hé, hey, il en a trouvé un. Je suis nul. Mais tu le sais bien. On ne peut c'est pas la bouteille qui parle. Allez, alors, apporte-la-moi pour que je lui dise de fermer son clapet. Hé, hey, regarde ça, Betty. Deux paires de jumeaux. Oh, vous allez récupérer mon truc, d'accord. Trouvons ce fameux magpie. Non, maman, je veux pas me... Allez. Mais ne le réveille pas. Allons chercher la tranche et la clé. Je ne céderai pas.